Tu veux des crédits pas chers sur FIFA Ultimate Team? Alors va sur mmokk.com, t'auras 8% de réduction sur ta commande avec le code DIMIX. Putain, je suis totalement explosé quoi. Yo tout le monde les gars, c'est Super DIMIX, comment allez-vous les mecs? Moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très particulière. Et oui, c'est une vidéo très spéciale parce que aujourd'hui je vais vous présenter une équipe avec un des meilleurs joueurs de l'équipe de la semaine. Je vais pas vous cacher les gars, je suis totalement explosé, je viens de revenir du sport. Je vous fais cette vidéo parce que je vous avais promis que j'allais vous la faire. Mais bon, je suis totalement explosé, bref, voici l'équipe. Et oui les gars, comme vous aurez pu le deviner, je parle d'Agüero 89 qui est juste exceptionnel, voilà. 91 en vitesse, 91 en dribble, 92 en tir, 80 en passe, 73 en physique. Mais c'est quoi ce joueur les gars? Je l'ai donc calé dans cette équipe, un mix entre Barclay et Ligue 1. Et on va bien sûr faire un petit match pour tester ce joueur et cette équipe. Bon, vous voyez très bien, je suis en PLS, alors lâchez votre like. Voilà, je suis pas bien là, je suis vraiment pas bien, je vous fais cette vidéo. Alors, je veux être récompensé, la barre de like, vous bombardez ça les gars. Allez, disons 1600 likes, je compte sur vous. Alors, que va-t-il nous proposer? Ok, on tombe sur un petit mix, voilà, on a un petit mix espagnol, BBVA, Bundesliga, c'est un petit mix, on va le fumer. Débarque comme un sourd, oui je n'écoute pas les critiques. Alors, je sais pas s'il est bon au coup franc, on va regarder ça tout de suite. Il est très bon au coup franc les gars, c'est Yokun Agüero pour le coup franc, la petite dent. Connexion à l'adversaire a été perdue, le bilan de ce match sera évolué pour... Bon voilà les gars, le mec arrache kit en face. On gagne 1-0, un Agüero qui a très bien commencé sur ce premier match. Bien sûr, on va partir pour un deuxième match parce que voilà, un match de une mi-temps, hein, c'est pas tip top. Hein, je vous connais les gars, maintenant je vous connais. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce qu'il nous fait le Koun? Mais qu'est-ce qu'il nous fait le Koun? C'est le Gio Agüero, mais c'est un monstre les gars. El Monster, El Monster. Ça fait des tactiques. Ah bah les tactiques ça marche bien. J'allais dire ça fait des tactiques, mais ça marche bien. Il revient à la marque, un but partout. Attention, c'est pas fini quand même. Putain. Bah bien sûr que c'était pas fini. Oh là là, on est tombé sur les pires connexions de France. Les pires. Oh l'erreur, l'erreur. Non mais c'est pas... Non mais là c'est injouable, c'est clairement injouable. C'est injouable. Le mec, on dirait, il a joué toute sa vie avec des lags. Tu sais, genre le mec est habitué. Si la connexion revient, on pourra revenir. Mais là c'est injouable les gars, c'est clairement injouable. Je crois que je vais quitter le match. Je n'ai pas que ça à foutre. Vous de votre côté, vous devez bien rire. Vous vous dites, ouais Dimic, non c'est quand même jouable, j'ai déjà gagné les matchs en lag. Non mais là, les gars, c'est ouf. Il y avait même la cinématique, ça lag. Ouais, j'ai une cinématique. Oh oui, il fait partir Agüero. Agüero. Enroule. Allez les gars, on revient à la marque. C'est Yokun Agüero qui marque encore un but. C'est que lui qui marque les buts en fait, je vais pas se cacher. Le reste de l'équipe, ils s'en battent les couilles du match. Genre, ils jouent même pas. Bizarrement, le seul moment de la partie où il y a moins de lag, je marque. Coïncidence, je ne sais pas. Je ne sais pas, je vous dirai pas, à vous de me le dire. Bon, on peut peut-être y croire. On peut y croire. On y croit clairement là. On y croit clairement. Bim. Bien sûr, on y croit. Coup sur coup. Back to back. Bon, j'appelle plus ça du coup sur coup là. C'était ping, ping, ping. C'était du tac au tac. Non, j'en ai marre, je fais que des passes. Je fais que des passes. Putain, le bugue, le bugue. Ah les gars, non, il force, il joue deg. Moi après, petite erreur personnelle, c'est vrai. Mais il joue dégueulasse. Ça donne en cadre. Oh non, Agüero, il a pas lâché, il a pas lâché. J'ai cru que c'était fini. Il a pas lâché, Agüero. Bien sûr qu'il a pas lâché, Agüero. Oui, 4-4. Bon, allez, on va passer au tir au but là.
Allez, comment? Non, 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 mais c'est... Bon, voilà les gars, malgré la défaite, ce match nous aura permis quand même de voir les grandes qualités de notre Sergio Kun Agüero, hein, même comme vous avez pu le voir, hein, dans le match précédent. Il est très très chaud, hein, c'est clair et net, il est très très chaud, il est bouillant même je dirais. Bref les gars, n'hésitez pas à tous lâcher votre like, ça me fera extrêmement plaisir, parce que là je suis pas bien, là je suis pas bien là mentalement, là le match, je vous ai dit que j'étais pas bien en début de vidéo, là je suis vraiment pas bien. Alors lâchez tous votre like les gars, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésite pas aussi à me dire dans les commentaires si tu as testé ce Agüero Boost, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour suivre l'ensemble de vidéos. Tu peux, hein, t'appuies là, il y a le bouton s'abonner, tu cliques frère. Bref les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.